philosophy is called apropos de recueil et la personne, et c'est accompagnement. Notre école est nommée pour recueillir la personne. J'espère que vous appréciez notre film. Savez-vous que Roch Carrier a été nommé chef du Conseil des arts de 1994 à 1997? En 2012, les professeurs et les élèves de Tollgate Public School allant à une nouvelle école qui est nommée Roch Carrier French Immersion, ou RCFI. Sur le 18 octobre 2012, Monsieur Carrier allait au RCFI pour la grande ouverture de l'école. Parce que de Roch, il y a trois écoles en Canada qui est nommée de Monsieur Carrier. Il est très fameux et ça c'est pourquoi cette école est nommée d'il. Je suis un arbre qui est sur Roch Carrier et merci. Bonjour, je m'appelle Jordan. Et aujourd'hui, nous parlons à propos de l'autre école qui s'appelle Roch Carrier. Bonjour, je m'appelle Ever et je parle à propos de Roch Carrier et son éducation. Est-ce que tu sais que notre école, c'est n'est pas la seule école nommée après M. Roch Carrier? Il y a actuellement une école nommée après M. Roch Carrier en Canada, Ontario. La directrice s'appelle Nicole Turpin. Et cette école offre un programme bilingue pour les maternelles, un programme anglais pour les premiers et sixième années, et finalement, un programme français pour les premiers et sixième années. Roch Carrier est allé à beaucoup des écoles. Le premier collège qu'il est allé à, c'est le Collège de Saint-Louis. Le deuxième, c'est l'Université de Montréal dans l'année 1961 et finalement Sorbonne, l'Université de Paris dans l'année 1961 à 1964. Bonjour, je m'appelle Andrew, mon partenaire est Keith. Roch Carrier était né dans Saint-Justine, Québec, sur mai 13, 1937. Roch Carrier a été à Collège Saint-Louis dans New Brunswick. Il écrit beaucoup de livres parce qu'il avait un creative esprit. Roch Carrier était un candidat politique de 1994 à 1997. Il était dans le Parti libéral et il était un candidat électoral. Il travaillait avec Jean Jaurès. Malheureusement, il était vaincu par 309 votes et n'a pas gagné l'élection. Il est un poète et il est un essayiste. Il était un directeur des arts de 1944 à 1997. Il est un scénariste ou un passant qui écrit les scripts pour les pièces du théâtre. De plus, il est un membre de la Société Royale du Canada. Son plus grand profession est en tant qu'un auteur de fiction et de drame. Thank you.
to a Francois deux ans arrière d'être en vacances, qui se déplaçant sur la neige, tantôt en carriole, tantôt en raquette, tantôt en ski, tantôt soin sauvage. Un policier qui mangeait des peanuts sans arrêt. Un villageois qui voit un œuf géant tomber de le ciel. Un marchand qui joue au hockey à plein ventre qui amène les bols de gelée. Les enfants suivent les martiens et allaient dans le vaisseau spatial. Une chasse de marchands par une soucie d'armée de 5 ans motoneige, tout conduit par le policier et le vigile. Mais les enfants sont contents dans le vaisseau spatial. Un cerveau en soucoupe volant au-dessus de la pôle nord et du Sahara. Un Père Noël herbloué par sans souci. Joyeux Noël! J'ai mon partenaire Colin. Nous parlons à propos de Rockerier. Rockerier écrit un livre qui s'appelle Prayers of a Very Wise Child en anglais. En français, c'est Prière d'une enfant très très sage. Mais cet livre est Rockerier en 1992. Il gagnait le prix qui s'appelle le prix de Stephen Wheelock Memorial Medal of Honor. Rockerier a écrit 10 livres pour enfants dans sa carrière. Le plus célèbre est Le Gard, Yes Sir, Florio, Where Are You, Is It the Sun, Philibert, Les Chandails de Hockey and Other Stories, Heartbreaks Along the Road. Rockerier a également écrit 18 livres pour adults et il remporte 4 prix. Les prix sont prix littéraire de la province de Québec, 964, pour Jolie Doule, Petite Tragédie pour Adults, Grand Prix Literary City de Montréal, 1821, Stephen Leelock Prize for Humor, 1991, for Prayers of a Very Wise Child, named Officer for the Order of Canada, Rockerier a également écrit 4 pièces et 3 scénarios. Au total, Rockerier a écrit 47 1969, il écrit un livre spécial pour Florida, où est-il?